Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir, mais qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire ou peu importe, même votre orientation sexuelle ou votre situation amoureuse. C'est quand même des tirages collectifs et généraux, donc prenez ce qui a du sens pour vous, ce qui vous parle selon votre ressenti et laissez tout simplement le reste derrière vous. J'ai fait ce simple, hein? Je vous fais choisir avec le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3. Prenez le chiffre peut-être qui est arrivé dans votre tête spontanément ou encore peut-être que ça fait partie d'un de vos chiffres chanceux, ou peut-être même selon votre décan, si ça vous appelle aussi. Donc, le premier décan, le deuxième décan, le troisième décan, sous le signe du lion, bien évidemment. Sachez que dans chacun de ces tirages, il y aura deux tirages parce que j'ai décidé de faire séparément les couples et ensuite les célibataires, mais pour vous retrouver le plus facilement possible, au travers de cette vidéo, vous allez avoir dans la description la minuterie pour vous faciliter la vie. Donc voilà, tout me semble bien dit. Donc vous comprenez que je vais commencer avec le chiffre 1. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Mais rebonjour à vous, les lions qui avez choisi le premier tirage et qui êtes en couple. On va aller voir quelle pourrait être l'évolution de votre relation à ce moment-ci. C'est quand même un tirage aussi intemporel, donc peu importe à quel moment vous le regardez, c'est parce que c'est le moment opportun pour vous et qu'il y a certainement des messages de vos guides qu'ils veulent vous transmettre. Peut-être pour vous encourager, pour vous éclairer, mieux voir ce que vous êtes en train de vivre, quelle en est la signification. Ah, déjà, on vous dit de faire attention au drapeau rouge. Il y a des signes, même si on dit des drapeaux rouges, c'est certainement lui, c'est-à-dire que vous êtes déjà avec la personne que vous recherchiez, vous l'avez trouvée. Elle est dans votre vie, partage sa vie avec vous et on vous parle de conversation cœur à cœur. Donc, il y a besoin ici d'avoir des discussions, d'être honnête, autant envers vous qu'envers la personne en face de vous. Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas honnête avec vous, mais parfois, on a un peu des inquiétudes à se dévoiler, à dire, parler ouvertement de nos sentiments avec notre partenaire. Ben, parce que on a peur de trop se dévoiler, hein. Il y a comme une angoisse à vraiment tout dire. Et pourtant, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, donc vraiment d'ouvrir votre cœur pour donner et pour recevoir aussi de l'amour. Parce que quand vous en donnez, quand vous vous ouvrez avec plus de liberté, ben, vous récoltez ce que vous semez. Donc, ça vous apporte beaucoup plus d'amour et ça sécurise votre amour. Donc, des drapeaux rouges concernant ben, votre amoureux, votre amoureuse, hein, certainement lui, certainement elle. Des drapeaux rouges qui vous mettent en garde, possiblement de ne pas vous ouvrir suffisamment parce que vous êtes avec la bonne personne. Pour moi, ici, on agite le drapeau rouge, mais on aurait pu agiter, dans le fond, le drapeau vert, mais il n'y en a pas dans ce... il n'y en a pas dans cet oracle. C'est juste pour moi, on vous envoie des signes pour vous mettre en garde, à apporter plus d'amour, plus d'ouverture, de dévoiler un peu plus vos sentiments parce que vous êtes avec la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Je viens de constater que ma chandelle s'est éteinte, donc je vous reviens tout de suite, je la change. Me revoilà, merci d'avoir patienté, même si dans le fond, je vais couper au montage pour vous épargner ce temps d'attente. C'est certainement lui. Peut-être est-ce que vous ne vous en rendez pas compte encore et c'est pour ça que vous n'osez pas vous ouvrir davantage, mais on tenait vraiment à vous le signifier. Donc, on va aller voir avec le tarot de quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler, qu'est-ce qui est important que vous sachiez à ce moment-ci et aujourd'hui. J'ai un peu les mains pleines de pouces, ben, comme à mon habitude. Alors, on continue.
Ici, on vous parle de nostalgie, hein, avec le 6 de coupe. On reste peut-être dans le passé, peut-être dans le passé de nos relations antérieures, pardon. Ça peut parler aussi de nourrir votre enfant intérieur. C'est ça, c'est la nostalgie, la mélancolie, peut-être en rapport avec une relation que vous avez eue. Et c'est probablement pour ça qu'on vous envoie des drapeaux rouges. Peut-être comparez-vous trop cette relation-là qui a probablement été merveilleuse pour vous ou que vous recherchez des éléments qui étaient dans cette relation-là aujourd'hui. Et c'est ce qui vous fait douter. Parce que c'est peut-être différent, peut-être que ce que vous aimeriez qui se reproduit en partie dans votre relation d'aujourd'hui, c'est pas là. Et ça fait que vous êtes nostalgique. Pourtant, on vous parle de rapprochement, qu'il y a une possibilité d'avoir des rapprochements dans cette relation-ci. On va aller voir plus loin pour mieux comprendre cette nostalgie. Eh bien, on vous dit quand même de reprendre le pouvoir sur vous-même. Dans le fond, c'est toujours préférable de laisser le passé au passé. Oui, vous pouvez prendre les leçons apprises de ce qui a fonctionné ou de ce qui n'a pas fonctionné pour vos prochaines relations. Mais en même temps, de reprendre le pouvoir sur vous-même, de ce que vous désirez vraiment en relation. Oui, je sens que vous voulez qu'il y ait des parts qui proviennent de cette ancienne relation-là, qui s'est terminée pour une raison ou pour une autre, peut-être un décès, je ne sais pas pourquoi, j'ai un peu ce sentiment-là que vous avez été en couple avec une personne qui est décédée aujourd'hui, que ça avait été une relation formidable, extraordinaire, et que vous aimeriez trouver une personne comme pour revivre avec une autre personne une relation similaire, mais... Qu'est-ce qui vous dit que la prochaine ne sera pas encore plus belle que celle que vous avez déjà vécue? De là, de reprendre votre pouvoir, j'ai envie de vous dire de revenir dans la réalité, de laisser cette belle nostalgie derrière vous parce que possiblement quelque chose de beaucoup plus, j'ai le mot glorieux, beaucoup plus lumineux qui vous attend. En tout cas, ça risque certainement d'être différent parce que vous êtes une personne différente depuis ce temps. Vous avez certainement évolué, vous avez grandi avec une inquiétude de vous ouvrir, dépendamment de ce que vous avez vécu dans le passé, et de revenir dans le monde. Dans ce monde-ci, vous êtes une nouvelle personne et cette personne-là aussi, c'est une nouvelle personne. Donc, de revenir pour moi dans la réalité. Vous semblez vous être choisi d'un premier coup d'œil, d'un premier regard. Il y a eu une attirance. Vous avez peut-être inconsciemment reconnu que c'était la bonne personne pour vous, que vous recherchiez, que vous cherchiez. Elle est déjà dans votre vie, cette personne-là. Il vous suffit d'ouvrir votre cœur pour le constater. Vous savez, l'ouverture amène l'ouverture aussi, hein? Quand on ose se découvrir, se dévoiler, ben, ça crée l'ouverture. L'autre personne, souvent, ça lui donne l'envie, ça le sécurise, ça la sécurise de voir que vous vous ouvrez. Elle est portée à en faire de même. Oui, de reprendre votre pouvoir pour couper dans cette nostalgie, dans ce passé qui n'est plus là, qui a eu quand même certaines douleurs, hein. C'était probablement pas parfait. Il y a toujours des petites choses de toute façon, puisqu'on est ici pour se parfaire et pour grandir. Couper dans ce passé qui vous empêche de vous épanouir dans la relation que vous êtes actuellement. De prendre soin de vous, de prendre soin de la personne avec qui vous êtes. La reine de deniers, elle ne s'embourbe pas dans le superficiel ou dans le superflu. Elle reste plutôt dans l'essentiel. Elle est pragmatique, elle est généreuse et elle couvre, elle prend soin les gens qu'elle aime. J'ai l'impression que c'est vous, cette dame cette reine de deniers, que vous soyez un homme ou une femme, mais il y a quelque chose qui vous retient de le faire parce que vous n'avez pas coupé encore avec ce passé nostalgique, que vous aimeriez d'une certaine façon
comme reproduire ou en tout cas d'avoir de grandes similarités parce qu'il y avait quelque chose là-dedans qui vous satisfaisait, qui vous sécurisait et que la relation, malgré tout, elle a pris fin. Sortir de la nostalgie, puis être, pour être plus dans la joie, dans le bonheur, de peut-être aller vous ressourcer même avec vos amis, vous décanter, laisser toute cette nostalgie, toute cette peine derrière vous, parce que vous semblez être avec quelqu'un de romantique, peut-être un peu timide, mais romantique, qui a envie de grandir avec vous, de s'épanouir, de faire développer cette passion entre vous. Vous allez voir un petit peu plus loin de quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler. Ben oui, de vous laisser vous gâter, d'accueillir ce que la vie vous envoie, de laisser cette personne vous offrir ce qu'elle a envie de vous offrir de bon, de vous couvrir de beaux présents ou en tout cas peut-être même d'un médaillon. Ah, waouh! Ben oui, vous avez les amoureux qui nous parlent d'engagement, qui nous parlent peut-être d'un choix à faire, le choix de vous investir davantage puisqu'on parle d'engagement, de vous investir davantage dans cette relation-là, de faire des bons placements, des bons investissements, de faire les bonnes actions, parce qu'une chance d'accroissement, hein, c'est le roi de deniers qui, lui, fait prospérer son domaine. Mais dans ce cas-ci, on est quand même dans un tirage amoureux, ben, de mettre les bonnes énergies, de vous investir, de vous engager si vous souhaitez que la relation prenne plus d'ampleur et qu'elle grandisse. C'est à vous de décider de vous engager, de vous aimer, d'apporter peut-être un peu de romantisme avec ces amoureux qui s'embrassent à Venise dans une magnifique gondole. Waouh, hein? Qui a pas envie de vivre ça? Véritablement, j'ai envie de dire, mais c'est plus facile pour vous, les gens d'Europe. Nous, au Québec, aller à Venise, c'est un peu plus loin. C'est pas la même dynamique, mais c'est pas impensable et ce n'est pas infaisable. De quoi qu'on vous parle aussi, waouh, ben du cavalier de coupe. Ici, on parle d'une relation avec un grand A. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. C'est la quête que vous désirez. Suivez votre cœur. Suivez, fiez-vous à votre foi, à votre intuition, à la foi que vous avez en l'univers, en vous-même, en cette autre personne-là, mais il va avoir besoin de vous ouvrir pour le voir. Et que c'est l'univers qui vous guide dans cette relation. Oui, elle va pouvoir se concrétiser, devenir plus tangible. Il y a beaucoup de possibilités, d'opportunités avec cet as de denier qui vous dit que vous pouvez matérialiser. En fait, la relation dont vous rêvez, hein? L'étoile, c'est le firmament, c'est nos rêves, c'est nos désirs, c'est nos envies, mais tout ça peut se mettre en place si vous le décidez, si vous en faites le choix de vous engager en laissant partir cette nostalgie, cette mélancolie de relations passées, en vous affirmant, en apportant beaucoup plus aussi de joie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le jardin d'Éden? On parle de mystère et secret. Il y a quelque chose qui vous est caché ou qui ne vous est pas encore accessible. Bien, moi, je pense que c'est parce que vous ne l'avez pas décidé. C'est à vous de décider de rendre ce que vous souhaitez accessible, de le rendre plus lumineux, d'y apporter plus de lumière, d'amour. Oui? Et de cette façon-là, on vous parle de gloire. On a quand même le soleil. Il y a un grand succès qui vous est destiné dans cette relation-là, qui va évoluer. Votre vie, elle va être sur le point de changer. Il va y avoir une transformation qui va se faire pour entamer un nouveau cycle dans votre relation amoureuse. Votre valeur de qui vous êtes va être reconnue. De votre générosité, de votre peut-être de votre sensualité, de votre charisme. Mais on va reconnaître qui vous êtes, pour qui vous êtes, avec toutes vos qualités. Donc, c'est vraiment une superbe réussite qui vous attend. On va aller voir avec attirer l'amour à soi. Quel est le conseil qu'on veut vous apporter à vous, les couples? Du premier tirage, on vous dit « Je profite de chaque rencontre comme un moment privilégié. »
Lorsque l'on se focalise sur la recherche de l'amour, on passe parfois à côté de belles rencontres. C'est certainement lui, puis vous, j'ai le sentiment que vous en doutez. Alors, on passe parfois à côté de belles rencontres qui apportent des conversations intéressantes, joyeuses, positives et amicales. Je prends conscience que chaque rencontre est une opportunité d'apprendre, de me connecter à autrui et de vivre de beaux moments sans arrière-pensée. Mais peut-être aussi est-ce que votre cercle amical va s'agrandir. En profitant des rencontres que vous faites, même si c'est des rencontres éphémères, en effet, on a toujours l'opportunité d'apprendre des gens qu'on rencontre dans notre vie, puis sachez que ce n'est pas du pur hasard, que ce n'est pas, c'est des coïncidences, mais importantes pour que vous appreniez, pour peut-être que vous compreniez quelque chose. Des fois, à partir d'une conversation, même avec un pur étranger ou une pure étrangère, même si c'est une conversation éphémère de quelqu'un que vous savez que vous ne reverrez plus dans votre vie, il y a toujours quelque chose à aller en chercher. Et peut-être que ça va vous apprendre ou ça va vous faire comprendre l'importance de vous dévoiler davantage avec le partenaire avec qui vous êtes, parce que j'ai le sentiment que vous êtes avec la bonne personne. Ici, on veut juste que vous prêtiez attention, parce qu'on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte d'ouvrir votre cœur pour pouvoir recevoir davantage. Et franchement, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions qui ont choisi le premier tirage. J'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes, peut-être des éclaircissements ou même de la réflexion. Si vous aimez la façon que j'ai de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos likes, vos commentaires en général, parce que ça me touche profondément, donc c'était important pour moi de vous en remercier et du coup, ben ça me démontre aussi ben, que vous êtes fidèle et que vous êtes présent à la chaîne, donc merci aussi pour cela. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt! Rebonjour les lions célibataires qui ont choisi le premier tirage. On va aller voir si vous avez des chances de rencontre. Qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme message à ce moment-ci? On commence avec laisser une chance à votre relation. Est-ce que vous venez de vous séparer dernièrement ou est-ce que vous devrez éventuellement, lorsque vous aurez rencontré, apporter plus d'intérêt à votre relation, d'y donner beaucoup plus d'énergie, à vous dévoiler, parce que vous pouvez aimer sans crainte. Aimer sans crainte, c'est aimer tout dans votre vie autant que vous le pouvez. Les gens qui vous entourent, votre occupation professionnelle, vos amis, de démontrer votre amour, d'aimer sans crainte d'être blessé ou d'être trahi. Parce que quand vous aimez, quand vous vous expansez, que vous laissez votre amour s'expandre at large dans votre vie, ben c'est un peu comme la loi de l'attraction. Vous envoyez de l'amour, donc vous en recevez plus dans votre vie. On vous parle de conversation cœur à cœur, de discuter honnêtement, de ne pas avoir peur de vous dévoiler. Et souvent, de vous dévoiler, ça crée une ouverture et l'autre personne va profiter de l'occasion pour se dévoiler à vous aussi de plus en plus. Puis ça va créer des liens de plus en plus forts. Ça va faire démarrer votre relation ou en tout cas, peut-être une réconciliation pour ceux qui viennent de se séparer en mettant plus d'intérêt, de démontrer justement tout votre amour à cette personne-là, de mettre les bonnes énergies, les bonnes actions pour redonner un retour, pour peut-être y amener plus de romantisme. Que vos sentiments, de toute façon, ils sont dignes aussi d'être vécus. Donc, on va aller voir les deux possibilités ici, de quoi est-ce qu'on veut vous parler, les lions célibataires.
On parle, ben, garder, de mettre de l'eau dans votre vin. On a toujours une responsabilité qui nous appartient, hein? On est deux pour danser, mais on est deux aussi, j'ai envie de dire, pour s'enfarger, pour se coincer les pieds, si je peux dire ça comme ça, ou piler sur les pieds de notre partenaire de danse. Je ne sais pas pourquoi que je prends cet exemple, mais l'idée, c'est, oui, la tempérance, c'est de mettre de l'eau dans son vin, c'est d'être capable, en quelque part, de prendre la responsabilité de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé, de négocier d'une certaine façon, de trouver le moyen de ramener ensemble des oppositions, des divergences peut-être d'opinion avec patience, en se temporisant, c'est-à-dire en restant calme et en ne se précipitant pas, j'ai envie de dire, à ne pas conclure, à prendre des décisions trop hâtives ou conclure, c'est-à-dire de faire des conclusions trop rapides. Voyez-vous, ici, avec le valet de bâton, ben, on vous parle ben, de romantisme, il y a comme de la timidité aussi avec ce cavalier de bâton qui est un peu timide de s'avancer, mais qui a peut-être envie de se faire pardonner. Avec ce bouquet de fleurs, c'est une énergie, hein? Ça pourrait être autant un homme qu'une femme. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait envie de se faire pardonner quelque chose, qui vient peut-être vous voir pour s'excuser d'une situation et de là, la réconciliation va avoir lieu. Sinon, ben, il y a quelqu'un qui vous regarde, il y a quelqu'un qui a de l'intérêt pour vous, quelqu'un qui est un peu, oui, timide peut-être de s'avancer et de vous déclarer sa flamme. Il a envie de le faire, mais il y a beaucoup de timidité, donc de grâce, accueillez-le. C'est quelqu'un qui est pur, qui a vraiment, en tout cas, envie de vous connaître davantage, de vous découvrir. Parce que certainement que vous lui avez fait flasher le cœur. Oh, il y en a qui vont peut-être probablement avoir un coup de foudre, ou en tout cas, il y a quelque chose qui va venir chambouler, qui va venir changer votre vie amoureuse avec cette tour. Oh, elle va même créer des rapprochements. Donc, ben oui, il y a une chance de coup de foudre de créer des rapprochements si vous venez de vous séparer, que vous êtes célibataire parce qu'il vient d'arriver une situation fâcheuse. Que je sens que même que certaines peut-être de vos paroles ont dépassé votre pensée, ben l'univers vous envoie quelque chose d'inattendu qui va chambouler votre vie amoureuse, votre relation, mais de belle façon parce que ça va créer aussi la même chose, ça va créer de beaux rapprochements. En passant, vous avez deux cartes majeures coup sur coup, hein, la tempérance et la tour et la tempérance aussi, il y a de la guérison, hein? Il y a une notion de guérison. Donc, il y a une notion de venir guérir ce chamboulement, justement. Pour ceux qui sont célibataires, mais depuis peu, je pense que c'est une séparation temporaire. Oui, de regarder à l'intérieur de vous, en toute vérité, sans vous censurer, hein. Troisième carte majeure en passant, avec le jugement. Parce qu'en quelque part, c'est le jugement que vous portez sur vous-même, sur l'autre, sur la situation, sur votre relation. De le faire en ayant, si vous décidez de juger, oui, d'apporter un jugement à ce qui s'est passé, mais faites-le en toute vérité, en toute intégrité, avec beaucoup de discernement, en reprenant votre part de responsabilité. C'est ce que j'ai envie de vous dire, parce qu'il faut être deux pour danser, mais il faut être deux aussi pour être dans la discorde, hein? Il faut être deux pour être dans l'harmonie, mais il faut être deux aussi pour être dans la discorde et dans la disharmonie. Pour amener cette harmonie-là, ça va vous demander ben, probablement de communiquer, hein, parce que les épées, quand même, c'est la communication, c'est les échanges, c'est d'avoir les pensées aussi claires, les idées claires pour pouvoir échanger avec beaucoup de discernement en étant dans la vérité, dans l'intégrité, en acceptant sa part aussi de responsabilité. Pour adoucir le tout, parce que c'est sûr,
pour être deux quand ça va, c'est à deux quand ça va pas, c'est à deux aussi. Parce que vous êtes à la recherche, à la quête. Ce que vous voulez, c'est l'amour avec un grand A, avec ce valet de coupe. Et on vous dit, j'allais vous dire, fiez-vous à votre intuition. Les coupes, c'est le sentiment, c'est les émotions, mais on a aussi l'intuition à l'intérieur de ça. Mais votre quête, c'est l'amour avec un grand A. Fiez-vous à votre intuition, avec la grande prêtresse qui regarde dans un livre, mais en quelque part, c'est un peu un leurre. Hein? Elle a toutes les connaissances. Elle est connectée avec l'univers, cette grande prêtresse. Et c'est la raison pour laquelle elle se fie à son intuition. L'intuition passe par le cœur, par votre âme qui est connectée à l'univers. Donc, fiez-vous à votre intuition. Votre intuition, elle ne veut que votre bien. Peut-être aurez-vous besoin de vous arrêter, de vous asseoir quelques instants, mais pour ressentir aussi vos émotions, vos sentiments à l'intérieur de vous, de ce que vous voulez, et de vous laisser guider par elle. Qu'est-ce qui vient de tomber? Ben parce qu'il y a, oh my God, parce qu'il y a de la passion, il y a le 2 de coupe. Vous êtes probablement avec votre âme sœur, pour certains d'entre vous, peut-être une flamme jumelle. Il y a beaucoup de passion, mais en même temps, c'est comme si vous vous laissez enchevêtrer dans ce qui vous empêche de vous ouvrir. Ben, de peur, peut-être de blesser, de vous blesser, de trop vous dévoiler. Mais en même temps, il faut la laisser vivre, cette passion-là. Il faut la vivre, il faut la vibrer. Parce que je sens que vous êtes en tout cas avec une personne très impactante, très significative dans votre vie avec ce 2 de coupe. Hein, c'est une union, le 2 de coupe. C'est un partenaire amoureux dans ce cas-ci qui est significatif pour vous. Ah, il va y avoir des rapprochements avec le 8 de bâton derrière. Moi, je pense que votre relation, pour ceux qui sont célibataires depuis peu, parce qu'il est arrivé quelque chose, ça va être de courte durée. Pour ceux que c'est une nouvelle rencontre, peut-être même un coup de foudre, hein, le coup de foudre va vous révéler des sentiments, vous allez avoir envie de vivre une histoire d'amour avec un grand A, parce qu'il va avoir beaucoup de passion, puis vous avez envie de vous libérer pour aller vers cette personne-là. Parce que ça crée, il y a des rapprochements qui vont se créer tranquillement. Le 2 de coupe, comme ça peut être votre âme sœur, bien, évidemment, il va avoir beaucoup de chimie, il va avoir beaucoup d'affinité, de complicité, parce qu'on est similaires, on voit la vie sensiblement de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de divergence ou quelques désaccords. C'est tout à fait normal, vous êtes deux personnes différentes, mais normalement, ça doit être assez facile d'une certaine façon, hein, parce que oui, il y a de la complicité puis qu'il y a des affinités et que du regard, d'un simple regard, on comprend déjà qu'est-ce qui se passe, on n'a pas besoin de se parler, peut-être dans des situations familiales, entre familles, il y a des conversations à table, puis là, oups, vous croisez le regard de votre partenaire puis vous comprenez déjà les deux de qu'est-ce que vous en pensez. Donc, des rapprochements qui vont se faire. Moi, je pense qu'ici, pour certains d'entre vous, il y a une belle réconciliation. Il y a peut-être un besoin de vous laisser pousser par cet appel, de vous révéler à vous-même, mais à l'autre aussi. C'est la carte de jugement, ça peut être ça. C'est qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous pousse à vous dire, « Ah ben oui, je vais y aller, je vais le dévoiler, je vais apporter plus. » Et c'est ça qui va créer l'intérêt, qui va ramener le charme dans votre relation, puis cette envie de vous rapprocher. Parce que vous êtes dans une relation, ou vous étiez dans une relation avec un grand A, où c'est ça qui arrive avec vous. C'est quand même un tirage significatif pour vous, assez important. Hein? Vous avez quand même 4 cartes majeures, dont 3 qui sont sorties coup sur coup. Et vous en aviez avec les dos de deck aussi. Si je ne m'abuse. On va aller voir plus loin avec le Jardin d'Éden. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler?
La fin d'un cycle, ben pour moi, c'est clair et net que c'est la fin de cette séparation pour ceux qui venaient de se séparer. Et pour ceux qui sont célibataires, ben c'est la fin de votre célibat, là. Vous allez être en couple et vous allez apprendre de cette relation-là. Vous allez grandir. Wow, c'est super. Ouais, il y a des choses qui vont se révéler à vous. Et vous allez vous révéler, vous allez mieux vous connaître aussi au travers de cette relation. C'est un commencement. Vos rêves valent la peine que vous vous battiez pour eux, que vous vous battiez pour cette personne qui arrive vers vous ou qui revient vers vous, peu importe la situation, dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Et que le refus qui vous était fait jusqu'à aujourd'hui, ben c'était un cadeau pour avoir encore mieux que ce que vous espériez. Il y a une situation qui était bloquée, hein, qui va se résoudre. Vous allez trouver le dernier morceau de puzzle pour ceux qui viennent de se séparer. Je le sens fortement. Et pour ceux qui sont célibataires, ben c'est comme la pièce manquante dans votre vie pour vous épanouir dans une relation à deux. On va aller voir avec attirer l'amour à soi, quelle est la petite carte conseil qu'on veut vous apporter ici. Les lions qui ont choisi le premier tirage, mais qui sont célibataires, mais pas pour longtemps, en tout cas, ça ne durera pas indéfiniment. Elle est ici. J'écoute avec attention les conseils de mes proches. Si mes proches me donnent des conseils, je les écoute avec attention et humilité. Je peux ne pas en tenir compte, mais il convient dans un premier temps d'écouter et de juger de leur pertinence. Seulement ensuite, je peux procéder à mes choix personnels en pleine conscience. Eh oui, d'écouter vos proches, d'écouter leur avis, comment ils voient les choses, comment ils perçoivent les choses, ben ça vous oblige pas à suivre tout ce qu'ils vont vous dire, leur avis, leur opinion, leur façon de voir. Mais ça peut vous ouvrir, par exemple, d'autres avenues. Ça peut vous apporter une meilleure compréhension de la situation. Et à partir de là, ben vous allez pouvoir prendre une décision en étant mieux outillé de procéder au choix que vous avez envie, mais avec, oui, en pleine conscience. Parce qu'il va y avoir la lumière de tous et chacun, plus la vôtre, qui va s'être faite à l'intérieur de la situation. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Mais vous restez quand même maître. Hein? Vous êtes maître à bord, maître de vos choix et maître de vos décisions. Mais au moins, vous allez prendre vraiment une décision beaucoup mieux éclairée. Et c'est ce que je vous souhaite. Sincèrement. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, les lions qui ont choisi le premier tirage et qui étaient célibataires et qui vont rencontrer prochainement. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, ben, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos à partir bien souvent de likes et de commentaires, on va se le dire. C'est ce qui est le plus populaire. Puis moi, vos commentaires, ben j'adore. Ça me touche profondément. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais vous en remercier, mais en même temps, ça me démontre de votre présence aussi et de votre fidélité à la chaîne. Donc, merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les lions qui sont en couple et qui ont choisi le deuxième tirage. On va aller voir quels sont les messages de vos guides, qu'est-ce qu'ils veulent vous apprendre concernant votre relation ou son évolution. On commence avec l'espièglerie, ben, de mettre peut-être plus d'amusement, de jeu, de taquinerie, d'humour à l'intérieur de votre relation, que ce soit beaucoup plus léger, parce que votre relation, elle mérite les efforts qui... Ça vaut la peine de respecter les étapes, de ne pas les brûler. Peut-être est-ce que vous êtes dans un début de relation
Oui, on vous parle d'avoir confiance que la situation que vous vivez, la relation que vous vivez, vous demande d'avoir la foi en vous-même, en votre partenaire, que vous avez probablement aussi attiré votre âme sœur, parce que vous l'avez rêvé, vous l'avez demandé, vous l'avez souhaité, et là, elle est devant vous. Et c'est pas la raison, c'est pas une raison suffisante pour être trop sérieux en amour, hein? Apportez-vous des jeux, de l'amusement, amusez-vous ensemble. Oh, c'est une passion qui est naissante, hein? C'est un début de passion qui vient d'arriver dans votre vie. Wow! D'autant plus qu'au dos de deck, on a l'as de coupe. Ben, c'est vraiment un début de relation ici, hein? C'est un jeune couple, pas en âge, en date, hein? C'est vraiment le début. Vous êtes au premier balbutiement de cette relation-là qui pourrait très bien remplir votre couple. En tout cas, ça vous impacte. Ça vous impacte vraiment, hein, au niveau émotionnel, sentimental. Ça pourrait être une très, très, très belle relation. On va aller voir plus loin. Donc, on a un élan, il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose qui peut grandir aussi. Avec ce cavalier d'épée qui est en quête de vérité, hein, qui veut une relation véritable, intègre, juste, en laissant passer le passé derrière soi, en laissant passer le passé, oui, en laissant votre passé derrière vous, parce que ça pourrait être très transformateur, cette relation-là pourrait vous amener plus loin que vous le pensez, mais en autant que vous laissez vos relations antérieures derrière vous. Ben, oui, vous pouvez en garder les leçons, vous pouvez en garder les bons moments, mais tout ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, ça, balayez ça, laissez ça derrière vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Wow, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, qui est la réussite, qui est le succès normalement. Hein? Ici, on voit que tout va bien, qu'on est même dans du romantisme, qu'on est dans la séduction. Hein? On est sur un petit bateau, on se promène tranquillement sur un petit bateau. Oui, avec patience, avec... Oh, j'ai le sentiment que vous savourez le moment présent, que vous êtes capable de mettre de l'eau dans votre vin, que hein, vous jugez que la personne en face de vous ben, mérite que vous fassiez des compromis, hein, que vous négociez équitablement pour les deux, pour la relation, pour la faire progresser, pour la faire grandir. Oh, il y a un vent de changement qui arrive, hein? La roue qui tourne en votre faveur pour vous révéler davantage à vous-même, mais davantage aussi que vous puissiez vous révéler à votre partenaire en toute confiance, en suivant les étapes. Hein? Ici, là, on vous parle quand même de partir sur un mode léger, sans vous casser la tête de trop. En avançant lentement mais sûrement, en suivant les étapes que l'on doit normalement suivre pour qu'une relation puisse progresser, en ayant confiance parce que vous vous êtes attiré votre âme sœur. Donc ça va vous permettre aussi de vous révéler à vous-même, de vous dévoiler, de vous découvrir, de vous apprivoiser, de tisser des liens plus serrés. Vous allez vous révéler à vous-même, mais aussi à l'autre, en toute confiance. C'est le changement que ça va apporter, cet élan de patience qui est en train de naître entre vous deux. Et vous ne voulez pas manquer ce rendez-vous, de vous sentir en sécurité, oui. De vous guérir aussi même de situations passées, hein, de vos relations passées. Toujours en faisant des compromis, en négociant. Il y a une notion d'équilibre aussi avec la tempérance. Hein. Il y a l'idée de, ben, quand peut-être qu'il y a des idées contraires, d'aller voir le peu de similarité qui existe dans ces contraires pour en faire quelque chose qui va s'unifier et qui va vous permettre d'être patient et de prendre les bonnes décisions.
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ben oui, de vous laisser gâter, d'accepter les opportunités que la vie vous envoie pour vous sentir libre, indépendant, autonome, enthousiasme d'être dans cette nouvelle relation en ouvrant votre cœur encore une fois avec la reine de coupe, en suivant votre intuition, en vous laissant guider par votre cœur. Elle aussi, la reine de coupe, elle se révèle à elle-même, elle se connaît mieux, elle connaît mieux son entourage et aussi bien sûr son ou sa partenaire en regardant ce qu'elle ressent, en le vibrant, en le comprenant pour que ça l'ouvre davantage. Vous savez quoi? Ben, cette relation-là pourrait arriver à béding à bédang, sans embâge, oui, parce qu'on a une trace de coupe qui revient, sans embâge. Hein? Peut-être que votre relation a commencé sur un coup de foudre, mais ou sinon, il y a quelque chose hein, qui va arriver ben, que vous ne vous attendiez pas, qui va faire vraiment grandir cette coupe, qui va la remplir. Parce qu'ici, on parle de construire solidement, donc vous êtes en train de construire une relation solide qui pourrait, ma foi, comporter un mariage, une célébration, mais cette situation-là de construire, de s'émanciper, d'expandre la relation, ça vous arrive comme ça, subitement, sans l'avoir planifié, sans l'avoir vu venir, sans même l'avoir prévu. Votre as de coupe est revenu deux fois, hein? Il était au début, puis là, vous terminez avec cette magnifique as de coupe. Et le fou, hein, c'est vraiment un nouveau commencement. Donc, c'est une relation qui débute, mais vous êtes tout enthousiaste de la débuter. Wow! Et oui, hein, la vie vous amène vraiment un vent de changement, mais très prometteur à mon avis. On va aller voir avec le Jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter d'autre ici? Qu'est-ce qu'on peut apporter d'engagement? Ben voilà! L'engagement sur l'engagement. Hein, il y a une personne sincère qui va vous faire une proposition fiable et solide et vous pouvez avoir confiance. Je ne sais pas ça fait combien de temps vous êtes ensemble. Moi, depuis tantôt, je pense que c'est un début, mais en tout cas, c'est une passion qui grandit. Hein. Un engagement peut-être des fiançailles, je ne sais pas, ce n'est pas nécessairement non plus le mariage, mais c'est certainement de faire progresser, oui, la relation, peut-être d'aller habiter ensemble, parce que j'ai le sentiment vraiment que c'est récent. Ça va vous guérir des blessures du passé, des blessures qui vous impactent encore, peut-être même au niveau amoureux, mais d'être avec cette personne-là, ça va vous guérir de tout ça. La tempérance aussi, hein, qui s'est montrée deux fois, qui parle également de guérison. Donc, vous êtes en train de construire, selon moi aussi, hein, des bases solides dans cette relation. Ben, il y a quelqu'un aussi, un défunt, une personne qui a quitté ce monde, qui vous encourage, qui veille sur vous avec beaucoup d'amour. Et peut-être qu'il vous a même envoyé cette relation-là, sait-on jamais. Mais voilà, il y a quelqu'un qui vous protège, qui fait en sorte que tout se déroule pour le mieux pour vous. On va aller voir avec attirer l'amour à soi. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme petite carte conseil pour vous, les lions, qui sont en couple depuis peu, je sens, et qui ont choisi le deuxième tirage. J'apprends à mieux connaître mon entourage proche. Parfois, on ne connaît pas profondément certaines personnes qui nous sont proches. Nos discussions, ben, sont légères, mais peu profondes. Aujourd'hui, je décide de m'intéresser à ses proches et à leur poser des questions pour mieux les connaître. C'est comme si vous vouliez approfondir. On vous conseille d'approfondir en quelque part les relations, ben, peut-être amicales que vous avez déjà autour de vous, peut-être même avec vos collègues de travail, mais certainement aussi avec la personne avec qui vous êtes en relation, de démontrer votre intérêt, de poser des questions pour apprendre à la connaître mieux, de la connaître plus profondément et de vous ouvrir
l'un à l'autre et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions qui ont choisi le deuxième tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous réconforte dans cette relation qui, je sens, qui est naissante, mais qui va aller vraiment loin. En tout cas, les possibilités sont vraiment là. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, moi, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos, de par vos likes, de par vos commentaires qui me touchent au plus profond de mon cœur, qui me font un grand bien et que j'apprécie profondément. Merci. Ça me prouve en même temps de toute votre fidélité, de votre présence à la chaîne. Donc, merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les lions célibataires qui ont choisi le deuxième tirage. On va aller voir quels sont les messages, qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme message. À ce moment-ci, oh, on parle de flirt. Ben, ou vous êtes déjà en flirt, donc vous ne savez pas si la relation va prendre de l'ampleur, mais en même temps, ça fait du bien hein, de se sourire, de passer des bons moments. Ça peut être des flirts amicales aussi, hein, où on s'est séduit. Il n'y a rien de promis, mais c'est ça qui fait toute la beauté. Oh, mais là, un flirt qui pourrait s'avancer vers un mariage, ou en tout cas, une progression, ça pourrait prendre une tournure un peu plus sérieuse. Ah oui, parce que là, on se découvre une passion. On se découvre, on est passionné l'un de l'autre et on veut permettre à notre cœur de s'épancher. Wow, lune de miel! Pourriez rencontrer cette personne-là lors d'une petite vacance ou d'un séjour à l'extérieur. Ça peut même être un séjour que vous partez, je sais pas moi, pour votre travail, votre occupation professionnelle. Peut-être qu'on vous demande... Peut-être que vous avez de la route à faire à l'occasion. Vous devez peut-être aller rencontrer des gens à l'extérieur, mais ça pourrait être à ce moment-là que vous rencontriez la bonne personne pour vous qui va commencer sur un petit mode flirt, un mode léger. Hein? On y va en se laissant couler par les événements, tout simplement. Ou vous avez parti pour un week-end, vous êtes parti prendre même une marche, hein, ça peut être ça. Et whoop, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va, oh oui, qui va créer un flirt. Ben, en tout cas, peut-être un peu en mode timide, mais en tout cas, on a envie, hein, on a envie de séduction, on a envie de poursuivre ce flirt-là. Peut-être que vous idéalisez, peut-être attention au 10 de coupe, c'est une magnifique carte qui nous parle de la petite maison dans la prairie, que c'est le bonheur parfait, l'harmonie, qu'il y a une grande notion de partage, c'est une très, très, très belle carte. Mais parfois, on peut comme trop idéaliser les relations amoureuses, ce qui fait que on peut parfois entrer dans la déception parce qu'on a mis comme la barre très haute. Moi, je pense qu'ici, on veut vous conseiller de rester, en tout cas pour le début de relation, oui, dans l'harmonie, bien sûr, dans l'amusement, hein, de partager des bons moments ensemble, mais sans trop se casser la tête, là, d'y aller lentement, mais sûrement, j'ai envie de vous dire, de pas brûler non plus les étapes. Même si on voit ici le mariage, pour moi, c'est qu'en fait, le flirt va progresser vers une passion. Et que ça a probablement débuté sur le mode de miel, mais c'est-à-dire, comme je vous disais, là, lors d'un déplacement, vous allez prendre une promenade, vous avez décidé de partir un petit week-end, une journée ou deux, et c'est là que la rencontre pourrait se faire. On vous parle un peu de crêpage de chignon, de regret, peut-être de discorde avec le 5 de coupe, il y a comme une forme de deuil, de peur, de crainte. On va aller voir plus loin pourquoi est-ce qu'on vous amène cette carte. Ben, peut-être de pas avoir de regrets en accueillant, hein, en ne repoussant pas cette personne un peu timide qui a envie de vous séduire. On va aller voir plus loin. Et oui, parce que ça pourrait être votre âme sœur. Vous ne voulez pas regretter ça.
Hein, ouvrez-vous. Le 2 de coupe, ça peut être votre âme sœur, mais en tout cas, c'est un partenariat, c'est une union. Donc, c'est une rencontre. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. D'y aller, j'ai envie de vous dire, lentement mais sûrement, en mettant de l'eau dans votre vin, en étant patient, en laissant cette rencontre, ce nouveau, oui, cette rencontre qui va grandir, qui va progresser. Comme je vous disais, de ne pas brûler d'étapes. D'y aller graduellement, en faisant des compromis, bien sûr, en négociant, pourquoi pas. Mais le 2 de coupe, pour moi, c'est souvent parce qu'il y a beaucoup d'affinités, il y a beaucoup de complicité, on voit la vie amoureuse sensiblement de la même façon, mais on a aussi les mêmes goûts, que ce soit pour les boissons, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour les activités de loisirs ou en tout cas les sujets de conversation. Hein, on est sur la même longueur d'onde, on a beaucoup d'intérêts communs. Et bien souvent, on se comprend aussi, ça vient avec le temps aussi, la complicité, les affinités, tout ça. Il faut laisser le temps, oui, laisser le temps de faire les choses. Mais on se comprend aussi du premier regard, hein, tellement qu'on a beaucoup de points communs, qu'on a beaucoup de similarités. De quoi qu'on vous parle d'autre, wow! Avec cette traîne de bâton, hein, ben, on avance parce qu'on a envie d'avancer. Les bâtons, c'est de la passion. En passant, ici, vous n'avez que des bâtons et que du cœur, hein? Du cœur, des émotions, des sentiments. Mais ici, on ne veut pas avoir de regrets, on ne veut pas rater d'accueillir cette personne un peu, peut-être un peu timide, mais qui est sur un mode flirt, qui ose s'avancer vers vous pour créer une relation magnifique, une relation de confiance, dans la joie, dans le bonheur, dans la vie. Oui, on désire se laisser surprendre, on est vraiment en mode jovial, de se laisser surprendre par la vie. Avec ce valet de coupe qui est un peu innocent, un peu, je dirais, comme ici, le valet de bâton, hein, timide, innocent, mais prêt, ouvert. C'est une innocence qui est pure, hein. C'est pas de la naïveté. C'est vraiment plutôt de la pureté, de l'ouverture du cœur. Qu'on veut amener de la lumière dans cette relation-là. On veut qu'elle soit belle, qu'elle soit harmonieuse, on est doux, on est gentil, on fait attention à ce qu'on dit. Ben waouh, c'est magnifique. Très, très belle relation, les célibataires qui peuvent arriver vers vous. On va aller voir avec, je vais regarder peut-être un petit peu plus loin derrière. Ouais, ben en même temps aussi de prendre pouvoir sur vous-même pour qu'il y ait un bel équilibre dans la relation. Ouais, parce que ça va faire naître de la passion. N'ayez pas peur de démontrer qui vous êtes, de prendre le contrôle un peu de la relation, mais dans le sens pas de votre partenaire, mais d'oser affirmer vos désirs, vos envies, vos besoins, de mettre vos limites, d'être vrai, quoi. De pas avoir peur. Parce qu'une belle passion qui naît, qui grandit, hein. Notre as de bâton, il est là. De rester aussi dans la joie. Je vous disais de pas vous précipiter. Ben, on l'a ici avec le cavalier de deniers qui avance lentement, mais sûrement. Il fait des pas sûrs. Sans brûler les étapes. Parce que tout ce qu'il souhaite, c'est d'expandre la relation, mais dans la joie, dans le bonheur, en vous ressourçant l'occasion avec vos amis, hein, allez vous amuser. Mais beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans cette relation-là. Il y a une passion qui va grandir en vous. Laissez-vous cette chance, mais en même temps, n'ayez pas peur de vous affirmer. Si la carte de l'empereur est là, c'est parce que peut-être que c'est normalement, c'est pas dans vos habitudes. Mais là, éventuellement, avec l'évolution de la relation, n'ayez pas peur de dire vos besoins. Qu'est-ce qu'on a avec le jardin d'Éden pour poursuivre ce magnifique tirage? On a l'étincelle. Ben oui, elle va arriver, l'étincelle, hein, là, avec le voyons, l'as de, je vais le dire, avec l'as de bâton, hein, que c'est quelque chose qui a une passion qui se réveille en vous, hein, donc c'est l'étincelle qui va grandir. De voir aussi les choses en grand, de ne pas avoir peur
d'imaginer peut-être que ça serait votre dernière relation. Pourquoi pas? Quand vous voyez les choses en grand, ben vous risquez d'avoir un minimum, en tout cas. Donc, d'être où est-ce que vous avez envie d'être, avec qui vous avez envie d'être, parce que c'est de cette façon-là que vous allez briller. Boupéraille, alors voler celle-là, qu'est-ce que c'est? Évolution, ben évolution avec un beau cœur, hein? Votre vie est sur le point de changer, vous ne serez pas célibataire bien, bien longtemps, j'ai le sentiment. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous regarde, qui a de l'intérêt pour vous, ça c'est certain. Donc, probablement dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, mais votre vie amoureuse, elle va prendre tout un autre cours, hein? Vous entamez un nouveau cycle, ben oui, vous partez du célibat pour être en couple, tout simplement, en mettant les bonnes énergies pour la faire grandir, oh, puis ça va vous soulager. J'ai l'impression que ça fait un bon bout de temps, peut-être que ça faisait longtemps que vous étiez célibataire, puis vous aviez besoin de vivre ça. Ben la vie vous l'envoie, les amis. On va aller voir avec « Attirer l'amour à soi », quelle est la carte conseil pour vous qui est tombée comme ça tout d'un coup. Je fais chaque jour des efforts dans mes relations. Une relation n'est jamais acquise, ah, c'est, oui, ni en amitié, effectivement, ni en amour. Pourtant, nous nous reposons souvent sur ce que nous prenons pour acquis. Je prends conscience que je peux rapidement perdre une relation et je fais des efforts pour la préserver et la renforcer. On vous a donné un peu la recette, un peu le chemin, hein? Mais oui, c'est sûr qu'il faut démontrer votre intérêt, votre attention, essayer aussi de peut-être pas trop entrer dans la routine trop rapidement, de suivre les étapes, de pas en brûler, pour permettre à votre relation d'évoluer, de grandir de belle façon. Et moi, de toute façon, c'est sincèrement ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions qui ont choisi le deuxième tirage. Je crois que le célibat est bientôt derrière vous. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver tout au bas de la description mes coordonnées. Entre-temps, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos, de par vos likes, de par vos commentaires qui me touchent au plus profond de mon cœur. J'aime tellement vous lire. Vous n'avez pas idée, donc je tenais absolument à vous en remercier. En même temps, ça me démontre également votre fidélité et votre présence à la chaîne. Donc, encore merci. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les lions qui sont en couple, qui ont choisi le troisième tirage et le dernier, mais non le moindre. On va aller voir qu'est-ce que vos guides veulent vous apprendre sur l'évolution de votre relation, où est-ce que vous en êtes, quels sont les messages importants pour vous à savoir. Oh, vous avez besoin de vous isoler, il est le temps de prendre du temps pour vous, de vous reconnecter à vous-même. Qu'est-ce qu'on a qui vient de sauter? Que votre relation, elle vaut la peine d'attendre. D'attendre que toutes les bonnes synchronicités se mettent en place, peut-être pour régler quelque chose, soit avec vous-même, soit dans votre relation, puisqu'on vous conseille de vous isoler pour faire peut-être le point sur votre relation. Mais en fait, l'univers est à l'œuvre, hein, pour vous apporter les bonnes synchronisations. Ils sont en train de tout rassembler pour dans votre vie amoureuse, pour qu'elle puisse, en fait, s'étendre, j'ai le sentiment. Mais il y a quelque chose que vous devez aller voir à l'intérieur de vous. Comme je vous disais, peut-être de faire une sorte de bilan pour voir où vous en êtes. De voir tout, que ça vaut la peine d'attendre que l'univers harmonise, rassemble tout ce qui est nécessaire, peut-être pour redonner comme un regain
à votre relation ou en tout cas pour pouvoir régler ce que vous êtes en train de vivre à ce moment-ci. Il y a peut-être une discorde, je ne sais pas c'est quoi vous vivez, mais il y a une situation qui demande votre attention. Peut-être que vos amis aussi pourraient vous aider. Des fois, ils voient la chose, les choses différemment, puis d'avoir leur opinion, ça vous oblige pas à faire ce qu'ils vous disent, mais au moins ça vous amène d'autres avenues, d'autres perspectives qui peuvent vous ouvrir, vous faire comprendre des choses que même que vous ne les aurez pas partagées, à la limite, ça va vous faire du bien, ça va vous réénergiser, ça fait toujours du bien de prendre une petite soirée ou en tout cas un après-midi, mais de prendre du temps en compagnie de nos amis qui nous soutiennent, en qui on a confiance. Il y a peut-être quelque chose, un facteur religieux qui influence votre relation, soit que vous êtes pas de la même religion, peut-être que vous n'avez pas la même vision spirituelle, peut-être qu'il y en a un qui s'éveille spirituellement, puis pas l'autre. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose au niveau ou religieux ou spirituel qui influence votre relation. On va aller voir plus loin avec le tarot, de quoi est-ce qu'on veut nous parler par rapport à ce que vous vivez présentement, ou en tout cas du moins d'en voir l'évolution possible. On vous parle de justice dès le départ. On vous parle bien, de vérité, d'intégrité, d'équilibre pour amener quelque chose de plus concret dans votre relation, concrètement, de, j'ai envie de dire, de ne pas vous voiler la face non plus, hein, mais d'y aller, et je ne sais pas pourquoi, c'est rare que je la ressens comme ça. La carte de la justice, mais de vous fier à votre intuition. Parce que vous êtes peut-être un peu dans l'illusion. Il y a quelque chose qui est peut-être pas tout à fait véritable, honnête. Peut-être aussi de la où vous êtes confus, confuse. C'est pour ça que vous avez besoin d'aller vous isoler. Peut-être pour voir concrètement le potentiel de votre relation, puisqu'on avait l'as de Denis. Mais de rendre justice à chacun, mais de prendre aussi la part de responsabilité dans ce que vous vivez, dans où est-ce que vous en êtes dans votre relation, de la situation qui doit avoir quelque chose de pas chouette, là, hein, pour que vous soyez peut-être dans l'illusion ou la confusion. Mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de pas clair, que vous avez besoin de vous isoler pour en faire la lumière, pour mieux comprendre ce qui se joue en toute vérité, en toute honnêteté, sans vous censurer, en prenant votre part de responsabilité. Waouh, ben on vous parle que ça pourrait ramener plus de confiance en vous, plus de joie, d'optimisme, de bonheur avec cette reine de bâton, hein, qui avance selon ses envies, ses désirs, pas parce qu'elle est obligée. Elle y va parce elle en a envie, parce que c'est ça qu'elle désire. Elle est très optimiste, puis elle a tendance à toujours voir le bon côté des choses. Ah oui, d'accueillir ce que la vie vous envoie avec ce 7 de bâton. Oui, parce que c'est comme si on vous envoyait de la bienveillance, hein? On vous envoyait plus de paix, plus de sérénité, hein? Ce pape, il tient quand même un petit bouquet de lys blanc qui nous parle de pureté, d'innocence, mais d'innocence pure. D'accueillir à bras ouverts ce que la vie veut vous envoyer. Beaucoup plus de paix, de sérénité, de bienveillance. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Que votre relation, elle est féconde. Peut-être faire appel à toute votre créativité, à oser vous exprimer aussi, à dire les choses avec douceur, mais quand même avec fermeté. Hein, il s'agit de l'impératrice. Elle règne quand même sur un empire, mais parce que elle est douce, mais ferme. Parce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète. Vous êtes méfiant. C'est peut-être que vous avez peur qu'on vous ait trompé, qu'on vous ait menti, qu'on vous ait fait prendre des vessies pour vous en perdre. Il y a quelque chose, c'est drôle, ça, ces cartes-là, de la façon qui sont tombées. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'en ai plus que je pensais, mais c'est pas grave. L'impératrice parle de croissance aussi, d'abondance, hein, que la relation peut croître.
On parle de mettre la relation au grand jour. On parle encore d'équilibre avec le 2 de denier. Et on parle de nostalgie du passé, de mélancolie. Ben oui, de ne pas avoir peur d'exprimer votre amour au grand jour. Peut-être pour apporter plus d'équilibre à la relation. Il y a peut-être beaucoup de responsabilités aussi. Vous trouvez qu'on vous en demande beaucoup. Il y a une nostalgie par rapport à votre pouvoir. Mais je pense que vous pouvez le reprendre avec le magicien. Parce que vous avez tout ce qui vous est nécessaire, toute l'expérience, toutes les compétences en matière d'amour. Pour comprendre ce qui se joue à ce moment-ci. On ne me dit rien de bien précis, hein? Je suis d'accord avec vous. Mais chacun a eu un petit conflit, il y a eu un petit quelque chose, puis chacun doit prendre sa responsabilité pour ramener la relation, pour la faire grandir, pour la faire croître. Vous devez prendre vos responsabilités pour sortir de cette confusion, d'être plus optimiste, d'accueillir cette croissance, mais en n'ayant pas peur d'exprimer votre amour, mais d'exprimer aussi peut-être le trop-plein. Hein? Parce que le 2 de denier soutient qu'on a beaucoup de tâches, qu'on a beaucoup de responsabilités, puis qu'on a comme la nostalgie de quelque chose du passé. Il y a un peu une mélancolie. Peut-être que vous aimeriez revenir à plus de, je sais pas moi, de légèreté. Mais attendez que la lumière se fasse, mais entre-temps, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de peut-être faire une sorte de bilan. Mais vous avez tout à l'intérieur de vous. Il y a un vent de changement ici, mais on dirait qu'il y a comme une convoitise. On convoite quoi? Sincèrement dans sa relation. Parce qu'ici, avec le roi de coupe, il y a une possibilité de remplir votre coupe. De vivre, d'oser vivre vos émotions, d'oser vivre ce que vous ressentez, puis peut-être de le partager avec votre conjoint, avec votre conjointe. D'oser en parler, d'oser vous exprimer vraiment avec l'impératrice. Et peut-être que si vous avez trop de responsabilités, trop de tâches au quotidien, dans votre vie à deux, ben vous devez trouver le moyen de vous en dégager, de peut-être de remanier les étapes, la façon de faire, d'enlever certaines choses qui ont peut-être besoin d'être là ou de déléguer, de demander de l'aide, pas juste à vos amis, peut-être aussi à votre conjoint, votre conjointe. Parce que il y a moyen de ramener ça à plus de joie, à plus de bonheur. Mais en vous autorisant à vivre vos émotions, mais sans les laisser vous empêcher d'avancer, hein, finalement. Parce que oui, vous en avez des ressentis, des émotions, mais il ne faut pas qu'elles vous briment dans la croissance de votre relation. On va aller voir avec le Jardin d'Éden. On parle d'une étincelle, que vous méritez le meilleur, de voir les choses en grand, d'être où vous avez envie d'être. Et c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir briller. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire. De refoulement, ce que vous essayez de refouler, ce que vous n'osez pas peut-être regarder va toujours revenir. Donc, c'est important de le régler. Parce que la vie va toujours vous le renvoyer tant que vous n'aurez pas compris. Il y a une leçon à en tirer dans quelque chose qui se représente. Et ce n'est peut-être pas la première fois. Donc, ce que vous devez régler, réglez-le. Cessez d'espérer que ça va vous quitter puis ça ne reviendra plus jamais. Il y a quelque chose vraiment... quelque chose qui revient constamment dans votre vie, ben vous devez le guérir. Ah, il y a un nouveau venu. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans votre cercle d'amis proches, que la famille va s'agrandir, ça pourrait être que quelqu'un va donner naissance, mais ça peut être quelqu'un de nouveau dans votre vie aussi. Je ne sais pas, je le sens un peu.
C'est peut-être à cause de la nostalgie, de la mélancolie. Peut-être que quelque chose que vous sentez qui a été brisé dans votre relation, mais en même temps, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre que les choses s'éclairent. D'arrêter aussi de procrastiner puis de refouler. De prendre des initiatives qui sont nécessaires, de vous fixer de petits, peut-être, objectifs, mais de vous fixer pour pouvoir avancer avec plus de détermination dans votre relation ou en tout cas dans ce que vous avez réellement envie, en écoutant vos émotions, en les laissant vous guider et non vous empêcher ou vous paralyser. Ça va vous apporter un bel accomplissement. Vous allez franchir plusieurs étapes avec brio. Ça va vous permettre de vous émanciper, de vous sentir plus libre, autonome. Magnifique. D'oser être vous-même. Ouais, c'est ça. Parce que vous n'avez plus rien à prouver. Mais d'attendre aussi, en quelque part, que tout s'éclaire pour vous. Que les synchronicités divines soient là pour réajuster le tir parce que vous êtes le magicien de votre vie, hein. On va aller voir avec attirer l'amour à soi. Quel conseil est-ce qu'on veut vous apporter ici? Les lions qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Petite carte conseil pour vous. Je ne sais pas, on dirait que vous hésitez, vous vivez quelque chose, mais vous hésitez à prendre votre décision. Mais vous devez la regarder sans vous voiler la face, en toute honnêteté, pour en faire un bilan. Parce qu'on récolte en même temps ce qu'on sème, hein, avec la carte de la justice. C'est un peu la loi de l'attraction. Donc, de prendre la responsabilité qui vous est due, puis de laisser la part de responsabilité à votre partenaire. Je ne reste jamais dans une situation sans issue. L'incertitude et le manque de contrôle créent du stress. Oui, je comprends. Si je vis une situation qui me paraît sans issue, il me convient de prendre une décision pour en sortir. Cette décision me permet de reprendre le contrôle et de ne pas rester dans l'attente et la frustration, de vous mettre en action, d'avancer par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs, par rapport à ce en quoi vous croyez. Et que certainement vos amis peuvent vous aider à y voir plus clair. C'est possible que l'univers, hein, passe par vos amis pour vous apporter le message que vous avez besoin. De là l'importance d'aller prendre du temps avec vos amis pour y voir plus clair parce que je vous sens indécis. C'est ça, la justice. La balance penche un côté sur l'autre. Vous êtes dans la confusion. Vous n'êtes pas capable de voir la solution à ce moment-ci. Même si la reine de bâton est là, hein, qui vous demande de garder confiance en vous, d'accueillir ce que la vie vous envoie, mais de choisir selon vous, selon vos désirs, mais en toute justesse, en toute intégrité. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que ça vous apporte des pistes d'éclaircissement ou en tout cas de réflexion pour comprendre ce qui se joue dans votre relation amoureuse à ce moment-ci. Moi, je vous souhaite que le meilleur selon vos souhaits, selon vos désirs. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, bien souvent de par les likes aussi et de par vos commentaires qui me touchent profondément. J'ai vraiment grand plaisir à vous lire et en même temps, bien, ça me démontre toute la fidélité, toute la présence que vous apportez à la chaîne. Donc, c'était important pour moi de vous en remercier. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les lions célibataires qui ont choisi le dernier tirage et non le moindre. On va aller voir
de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici, qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme message, est-ce que vous avez des chances de rencontre prochainement, dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc, quels sont les messages pour vous? On vous parle de traiter des problèmes familiaux. Vous êtes peut-être encore célibataire parce que vous avez besoin de pardonner à vos parents. Pardonner des situations, des événements, des sentiments, des ressentiments. Et d'apprendre à vous connaître mutuellement ben, la prochaine personne qui va arriver dans votre vie. Et vous savez que de traiter les problèmes familiaux, de pardonner à vos parents, ça ne minimise pas ce qu'ils vous ont fait, mais ça vous permet de vous en libérer, par exemple. Il y a des sentiments romantiques et ça va permettre d'apporter quelqu'un dans votre vie, hein, parce qu'on vous parle d'apprendre à vous connaître mutuellement, mais probablement aussi d'apprendre à vous connaître mieux et à vous aimer. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez expandre votre amour, plus vous allez attirer de l'amour. Et que vos sentiments, ben, sont dignes d'être vécus. Lors de votre prochaine relation, peut-être devrez-vous vous ouvrir à plus de romantisme. De ne pas négliger les bons placements dans votre relation, de vous investir, j'ai envie de dire, d'apporter les bons investissements, de vous laisser surprendre aussi par la vie avec ce valet de coupe, en toute innocence, mais en fait, c'est en toute pureté et non en toute naïveté. De laisser la lumière entrer, la lumière épanouir, ouvrir votre cœur, peut-être même le déverrouiller, mais vous avez besoin de vous investir davantage dans vos relations. Peut-être est-ce que vous ne démontrez pas suffisamment votre amour à vos partenaires. C'est ce qui fait que vous êtes encore célibataire, mais c'est probablement aussi en lien avec peut-être le modèle, hein, que vos parents vous ont montré en matière de relations. Vous devez vous guérir de ça pour pouvoir avancer et progresser. Pour être capable de vous amuser de des petits riens tout simples de la vie, facilement, avec le peu que vous avez. Avec enthousiasme, avec bonheur, avec joie, avec ce fou qui a envie de sauter dans l'aventure, de rencontrer quelqu'un de nouveau, de partager à deux, oui, en vous laissant guider ben, par votre intuition votre intuition qui vous vient dans le fond de l'univers, hein, qui vous vient de votre âme qui est raccrochée à l'univers, à la source, ou du moins à ce en quoi vous croyez. Parce que le fou, il saute dans le vide parce qu'il sait justement qu'il est supporté par l'univers. Donc, suivez davantage votre intuition pour pouvoir rencontrer la prochaine bonne personne pour vous. Ben oui, ben il y a quelqu'un qui arrive, on a les amoureux ici. Hein? C'est de prendre la décision, c'est de vous engager envers la prochaine personne qui va arriver avec vous, mais d'y aller tranquillement, lentement, avec patience, en mettant de l'eau dans votre vin, en faisant des bons compromis dans cette prochaine relation pour ben, vivre des moments... Des sentiments authentiques qui sont dignes d'être vécus, mais apportez-vous de l'amour. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez attirer l'amour. Et apprendre à vous connaître mutuellement, bien c'est ça, c'est d'y aller tranquillement, de vous révéler pour créer des liens solides et durables, en toute humilité. En n'ayant même pas peur de raconter peut-être de vos échecs ou vos déboires, parce qu'on en a eu tous. Oui, d'être capable de couper ben, dans le passé, dans ce qui vous a blessé, dans vos relations, pour pouvoir partir et vous éclaircir les idées, d'avoir les idées plus claires de ce que vous voulez en matière de relations pour avancer plus facilement, avec clarté. En sachant vraiment
ce que vous voulez. Oui, avec plus de passion peut-être, en ne vous laissant pas non plus enchevêtrer. Oui, dans ce qui vous empêche d'avancer, hein, parce qu'ici, le pendu il est à l'arrêt. Donc, il y a des choses, ben, c'est de traiter les problèmes familiaux puis de pas vous précipiter dans une relation. De prendre le temps de suivre les étapes pour tisser des liens serrés, mais pas pour vous enchevêtrer, pas pour vous empêcher d'avancer, mais de tisser des liens amoureux, sains et forts. Pour pas retomber à, j'ai envie de dire, à l'arrêt. D'oser vivre votre passion, mais d'oser avancer aussi sereinement. Et revient le pendu, finalement. Il voulait absolument être là. De pas vous laisser arrêter parce qu'il vous arrête à ce moment-ci. Peut-être les problèmes familiaux, comme je vous disais, de vous précipiter, puis de ne pas vous donner suffisamment d'amour pour pouvoir rester plus zen, plus dans la maîtrise de vous-même, de qui vous êtes, et non de donner votre pouvoir à ce petit diable hein, qui vient vous dire de ne pas faire ça, que ça n'a pas marché, la foi d'avant, mais vous avez l'humilité d'être capable de le voir. Probablement de voir, d'avoir l'humilité aussi de voir où est-ce que vous avez manqué en quelque part, hein, parce que le roi de Denis, il maîtrise de faire fructuer ses avoirs, donc de faire progresser votre relation, votre prochaine relation, de voir où vous avez manqué. De vous amuser de des petits riens en toute liberté, avec enthousiasme, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, hein, on a quand même les amoureux. Mais vous devez le décider et vous engager bien humblement à suivre votre passion sans vous laisser arrêter par le diable en maîtrisant qui vous êtes. On va aller voir avec le Jardin d'Éden, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici. On vous parle d'apprentissage. Oui, vous allez apprendre au travers de cette nouvelle relation. Un bel apprentissage à vous ouvrir à votre passion sans vous laisser vous enchevêtrer, sans laisser vos sentiments vous arrêter. D'être vous-même authentique et humble. Il manquait une morceau de puzzle à votre vie, ben c'est peut-être la prochaine personne qui arrive. Parce que la situation qui était bloquée va trouver une issue positive. Ben, la situation bloquée, hein, c'est d'être seul à ce moment-ci. Donc, vous allez trouver votre temps de moitié, le puzzle, la pièce qui manquait à votre vie. On va le voir, qu'est-ce que vous allez apprendre avec cette personne-là. Et là, j'ai les mains pleines de pouces aujourd'hui. Pourtant, normalement, dans la vie, je ne suis pas quelqu'un de si malhabile, mais pour brasser les cartes, des fois, je vous dirais, pas très bonne. Bon, je dois me lever. Il y en a une qui est tombée par terre, je ne la vois même pas. Ouais, complètement tombée à l'arrière. Oh, que ça valait la peine que je me lève pour aller les chercher, la chercher, les amis. On vous parle d'amour. Que votre vie amoureuse va passer au premier plan. Ouh là 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 là! Que les relations sont grandement favorisées. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un, mes amis célibataires. Quelqu'un possiblement aussi de significatif. Hein? Ou en tout cas, vos sentiments vont valoir la peine d'être vécus parce qu'ils sont authentiques. Wow! Ben c'est ça, hein? La pièce manquante, c'est la personne qui arrive vers vous. Donc, c'est une fin de cycle, hein? Vous allez passer du célibat à être en couple dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Le petit conseil de attirer l'amour à soi, je réalise que tout est déjà présent en moi. Mais oui, je peux passer ma vie à chercher l'amour uniquement chez autrui, mais pendant que je cherche mon bonheur chez l'autre, je ne vois pas que tout est déjà là, présent en moi. À l'intérieur de vous, de ce que vous voulez, de ce que vous désirez accomplir, en ayant foi en la vie, en l'univers, qui est avec vous, qui vous supporte, qui vous soutient et qui vous souhaite
de trouver l'amour, oser faire le grand saut, de vous mettre dans l'action, de vous engager, de prendre cette décision qui va vous ouvrir à l'amour. Wow! Super! Oui, vous avez tout en vous, mais n'oubliez pas de vous aimer et d'expandre votre amour dans tout ce que vous faites, dans votre entourage, à toute personne. Plus vous allez envoyer de l'amour, plus vous allez en recevoir. Et c'est franchement ce que je vous souhaite. Du plus profond de mon cœur, Amélie Lyon. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a plu, que ça vous, peut-être que ça vous réconforte, que ça vous met un sourire au visage de savoir qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous bientôt. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos, de par vos likes, de par vos commentaires qui me touchent vraiment au plus profond de mon cœur. C'est pour ça que je tenais absolument à vous en remercier. Puis en même temps, ça me démontre, ça me prouve aussi que vous êtes fidèles et présents à la chaîne. Donc, merci du plus profond de mon cœur. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!